Bonjour à toutes et à tous, grosse revue de presse aujourd'hui, alors accrochez-vous, on commence ce Tour d'Europe en Catalogne avec le résultat du match opposant le FC Barcelone à la Real Sociedad. Mundo Deportivo se réjouit de la bonne réaction du Barça, qui a su assurer sa deuxième place au classement avec une victoire 2-0. Une victoire ô combien importante dans le sprint final pour être sûr de participer à la prochaine Ligue des Champions et à la Supercoupe d'Espagne. Dans son édition du jour, Sport comble de compliments le jeune Lamine Yamal, qui a été l'auteur d'un très beau but hier soir. Pour les journalistes catalans, il est l'avenir du club. Depuis le temps, ça, on l'a tous compris. En attendant, toujours d'après le journal, le président du club, Joan Laporta, et son directeur sportif Deco ont été aperçus en train de quitter le stade hier soir, bien avant la fin du match. Ils auraient eu une réunion capitale au sujet du prochain mercato. À ce sujet, le FC Porto a une proposition importante à faire au FC Barcelone. À en croire les informations du média portugais Abola, les Dragões veulent se faire prêter le jeune buteur Vitor Roque avec une option d'achat. En échange, Porto est prêt à revoir ses exigences à la baisse pour vendre Pepe au Barça. Pour l'instant, le club lusitanien ne veut pas négocier en dessous des 60 millions d'euros pour l'ailier brésilien âgé de 27 ans. Bien évidemment, on va parler de la cérémonie des trophées UNFP 2024, nommée aux côtés d'Ousmane Dembélé, Pierre Lesmelou, Pierre-Emerick Aubameyang et Eden Zegrova. Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 sans grande surprise. Dans son discours, le numéro 7 du PSG a encore confirmé qu'il allait quitter la Ligue 1 sans dévoiler son futur club. Selon la presse madrilène, le Real Madrid pourrait communiquer sur la signature de Kylian Mbappé dans quelques jours seulement après la finale de la Ligue des Champions. Pour le journal Marca, Mbappé pense déjà comme un fan du Real Madrid. Il peut partir la tête haute comme il l'a lui-même annoncé. Les journalistes du média Pro Madrid se disent amusés de voir Mbappé rigoler à chaque question sur son avenir. Du côté du média à son salut, la régularité de Kylian Mbappé qui est allé chercher son 5e titre de meilleur joueur du championnat de France. Pour le quotidien espagnol, il est l'un des meilleurs du monde et bientôt de la Liga. Sinon, Antoine Griezmann a été élu meilleur joueur français à l'étranger. Donnarumma, le meilleur gardien de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery le meilleur espoir et enfin Eric Roy a été présenté comme le meilleur entraîneur de la saison et c'est pleinement mérité. Mais on n'a pas fini de parler du PSG et de Mbappé, bien évidemment. Le Parisien nous apprend que Mbappé s'est clashé avec Nasser Al-Khelaïfi avant la rencontre contre Toulouse dimanche dernier. Une heure avant le match, Nasser Al-Khelaïfi a demandé à rencontrer son joueur au parc. Le Qatari voulait avoir une explication sur cette vidéo et savoir pourquoi le Français ne lui avait adressé aucun mot de remerciement. Le ton entre les deux hommes serait alors très vite monté et un clash aurait éclaté. Selon un témoin d'une scène décrite comme violente, les murs ont tremblé. Les rouges et bleus ont démenti cet accrochage. Il est navrant de voir de fausses nouvelles circuler ce soir. Il n'y a eu aucun différend entre le joueur et le président. Ils se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d'hier soir, a confirmé le club parisien à RMC Sport. Sinon, en plus du départ de Kylian Mbappé à remplacer, le Paris Saint-Germain travaille sur un autre très gros chantier pour cet été, celui des gardiens de but. Selon les informations de l'équipe, le départ de Keylor Navas va bouleverser le poste de gardien de but. Les prestations de Donnarumma pousseraient le club à une réflexion sur le recrutement d'un gardien numéro 2 pour le concurrencer. On apprenait récemment que Dion Ramage, un portier de l'Ajax, était courtisé, mais le quotidien confirme aussi notre information exclusive selon laquelle Lucas Chevalier fait partie des gardiens appréciés par Luis Campos pour concurrencer Gigio. Direction l'Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport ouvre une fois encore son édition du jour avec le succès de l'Inter champion d'Italie. C'est de la folie ce qui se passe en ce moment à Milan car pour les festivités organisées par le club avec le trophée, plus de 200 000 personnes ont pris un billet. Il faudrait 3 San Siro pour accueillir tout le monde, explique le journal au papier rose. Mais ce qui nous intéresse le plus se trouve en bas de la une du quotidien. Ça bouge dans tous les sens du côté de l'AC Milan qui voudrait enrôler Thiago Motta comme nouveau coach, mais l'actuel manager de Bologne veut des garanties pour le prochain mercato. Et à en croire la Gazzetta dello Sport, Youssou Fofana et Emerson Royal sont dans le viseur des Milanais. Le club pense que 50 millions d'euros suffiront pour recruter les deux joueurs. On part en Angleterre où le championnat de première ligue n'a toujours pas de champion et c'est très serré. En conférence de presse, Pep Guardiola a admis qu'il devra supporter le Squeaky Bum Time ce soir lors de la confrontation vitale de Manchester City à Tottenham. Le Squeaky Bum Time est difficilement traduisible, mais c'est une expression inventée par le grand Sir Alex Ferguson pour décrire la tension qui s'installe vers la fin de la course au titre. Tout peut imploser dans le vestiaire, sur le terrain, en tribune. La tension et le stress est à un niveau extrême. En plus, son adversaire du soir, Ange Postecoglou, compte bien mettre à mal la saison des Citizens. Il s'en est pris à ses supporters en conférence de presse. Pour lui, ils ont un comportement de loser en voulant voir leur équipe perdre pour éviter qu'Arsenal ne termine champion d'Angleterre. Il faut dire qu'Arsenal a besoin d'un faux pas de Manchester City en cette fin de saison. Les Gunners vont supporter les Spurs exceptionnellement. Ce
ce soir comme l'a révélé William Saliba. Il espère que ses rivaux en blanc seront à leur meilleur niveau. On ouvre une page actualité de coach pour être bien complet. C'est rare, mais ce mardi, on va lire la presse turque, car à la une de Photomatch, on retrouve un certain José Mourinho. Yazı Yıldırım, qui se présente à nouveau à la présidence de Fenerbahçe, a fait des déclarations choc et a présenté être en contact avec le manager portugais. Les deux hommes se seraient rencontrés la semaine dernière et auraient discuté de sa possible arrivée pendant 2 heures. Yazı Yıldırım a promis des recrues de taille à Mourinho s'il accepte de rejoindre le club turc. Cette nouvelle a enthousiasmé les supporters qui pourraient bien connaître une belle clim. Sinon, le Bayern Munich a tranché au sujet de Thomas Tuchel. Selon les informations de Bild, une réunion du conseil de surveillance du club bavarois a eu lieu hier. La question de l'entraîneur a logiquement été abordée et au fil de la réunion, les dirigeants ont conclu que Thomas Tuchel serait finalement l'homme idéal pour guider le Bayern à regagner le championnat la saison prochaine. Certains joueurs se seraient prononcés pour le maintien de l'entraîneur. Selon Sky Germany, il s'agit entre autres de Manuel Neuer et Thomas Müller. Voilà, c'est tout pour ce mardi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.